Bienvenue pour cette nouvelle présentation pour la chaîne Sinophonix. Aujourd'hui, le Blackview Alive P1 Pro. Smartphone premier prix, vraiment un prix défiant la concurrence directe sur les MT6735 en écran 5,5, pardon, 5,5 pouces. Avant de présenter le téléphone, on va commencer par la présentation de la boîte fournie par Blackview. Une boîte plutôt jolie tout de même, qui ressemble étrangement d'ailleurs, tout comme le smartphone d'ailleurs ressemble aussi, à une boîte de chez Ulefone pour le Bitouch 2. Même format de boîte, et vous allez le voir en fait à l'intérieur. On fait cette présentation parce que ça nous a été demandé, ainsi que le Bitouch 2. On nous a demandé de faire une présentation à notre façon, à notre manière de faire. Et donc, on a dit oui, et donc on fait. Voilà. On vous rappelle que ce smartphone est de la série P1. On va ouvrir ça. On va retirer notre. Non, ça va. Voilà l'intérieur de la boîte, hein, s'il va nous gêner. Donc voilà, bien présenté, propre, même très propre par rapport au prix qui est de 110 € sur ce smartphone. Vraiment un prix assez hallucinant d'ailleurs, vu le coût déjà d'une dalle 5,5. Enfin bon, bref, la boîte, la présentation. 110 €, Blackview prend très très peu de marge, c'est même sûr, sur ce smartphone. Mais comme ils l'indiquent en fait sur leur boîte, si je dis pas de bêtises, il me semblait que c'est indiqué quelque part, ou alors c'est sur leur site qu'ils l'indiquent, comme ils le disent, c'est le smartphone pour tout le monde. Voilà, donc leur but c'est de créer des smartphones. Dorénavant, qui a un design quand même sympa, parce que précédemment Blackview faisait des smartphones bon plutôt moyens, on va dire, pour pas être méchant. Et depuis ce Alive P1 Pro, très honnêtement, je trouve qu'ils font très fort en termes de prix. Est prévu pour fin septembre le Omega Pro. Avec un smartphone double face vert, comme l'a fait Samsung pour son S6, donc un peu à la mode en ce moment au niveau des constructeurs chinois, c'est d'avoir une double face en vert. Et très honnêtement, je l'ai testé pendant 8 jours ce Blackview. Il m'a vraiment impressionné parce que tout fonctionne correctement et proprement. Bon, pour en finir avec la boîte. Le Blackview Alive P1 Pro. Donc, si vous regardez un peu l'arrière du téléphone, on va pousser ça. Son logo, bien entendu. Mais je ne sais pas si pour vous, il ne vous rappelle pas un autre smartphone chinois, lui aussi, qui lui-même était entre guillemets. Ils l'annoncent quasiment, eux, de leur part, une copie de l'iPhone 6, même si je trouve que c'est pas parce qu'on met un bouton rond dessus que c'est obligatoirement une copie. Bon, je l'amène et voilà. Donc, deux dalles quasi identiques. La seule différence se situe au niveau des boutons, au niveau du positionnement du haut-parleur. Mais si vous regardez bien la coque, hormis donc ces petits séparateurs en plastique qui normalement laissent mieux passer les ondes. Wi-Fi et ou 4G, donc une meilleure réception. Quasi la même couleur, très très peu de différence entre ces deux coques. En termes d'épaisseur, c'est exactement la même, sauf qu'il y en a un, voilà, c'est le Ulefone Bitouch 2, qu'on vous présentera un peu plus tard.
en faisant une revue complète de celui-ci, mais voilà, c'était juste vous présenter le très peu d'écart entre ces deux smartphones au niveau de la coque. Bien entendu, au niveau hardware, ça n'a rien à voir, au niveau écran non plus, mais ils sont vraiment très 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 ressemblants. Donc voilà, on remet le Ulefone de côté et on va attaquer donc par le Blackview Alive P1 Pro. Donc sur l'arrière de ce smartphone, on retrouve un double LED, donc ambré au-dessus et blanc en dessous. Franchement, vis-à-vis du prix, on pouvait s'attendre à un simple flash LED. Donc une caméra arrière ici de, que je dise pas de bêtises, 13 mégapixels, sans interpolation, donc bien. Le bouton marche arrêt sur le côté droit de l'appareil. Ici, le bouton volume plus moins sur un seul bouton. Sur le dessous, on retrouve donc le haut-parleur et la prise micro ici. Le Touch ID, qui fait aussi bouton, office de bouton Home sur lequel vous appuyez, vous retrouvez votre page d'accueil. Touch ID, je trouve un peu lent, mais vous le verrez par vous-même lors de la vidéo. Donc sur le haut, rien de bien extraordinaire. Hein. Donc ici, la caméra, haut-parleur, les capteurs de proximité, de luminosité, micro USB, jack 3.5. On va ouvrir la bête. Une coque assez souple qui se défait assez facilement d'ailleurs, pas besoin de se casser les ongles. Donc une batterie logotée et avec un sticker présentant que c'est une batterie originale. Peut-être ont-ils eu des soucis avec des batteries de contrefaçon. Bref, une batterie d'une capacité de 3000 mAh. Voilà, c'est très propre, très honnêtement, une fois de plus, hein, vis-à-vis du prix, pas grand-chose à redire. Plusieurs stickers ici, un Blackview pour je ne sais pas ce qu'il y a d'écrit dessus, c'est une garantie pour ne pas avoir à démonter ce coin-là. Bon, pourquoi pas. Un contrôle qualité ici, un autre ici, un sticker indiquant que c'est un Blackview original. Petit point en fait positif fait sur ce châssis là, cette coque en plastique à l'arrière, c'est les formes en fait qui vous permet de retirer, voyez, correctement par exemple la batterie, mais aussi pour donc la carte SIM, ici la SIM 2, ici donc c'est une micro SIM ici, hein, une SIM classique ici, et tous ici ont des encoches. Tous ces emplacements ont des encoches qui vous permettent de effectivement glisser votre ongle, votre doigt, donc, et glisser correctement la carte SIM et ne pas avoir à essayer de la retirer avec le doigt de cette façon. Et en haut, ici, se trouve la carte, le lecteur de carte micro SD, pardon. Donc on va refermer ça. Et la batterie d'ailleurs tient très bien aussi, il y a une petite encoche sur le fond, donc vraiment plein de petits détails qui font que, très honnêtement, vis-à-vis du prix, si je me mets mal, voilà, vis-à-vis du prix, c'est très honnêtement, je pense certainement le meilleur prix, performance, finition, qualité. La seule chose, bon bah voilà, vous le voyez tout de suite, l'écran était propre. Bon, dès qu'on le touche, se protège écran, marque et les empreintes. Mais c'est très très honnêtement le meilleur rapport prix, qualité, performance, finition que l'on peut trouver sur le marché actuellement. Maintenant, une fois de plus, hein, test que d'une dizaine de jours là sur celui-ci. Donc c'est pas sur une dizaine de jours qu'on va pouvoir voir la qualité de l'écran, à savoir est-ce qu'il vieillit bien ou pas. Mais d'autres marques sur 3 jours montrent déjà des faiblesses. Or là, au bout de 10 jours, moi j'ai noté aucune faiblesse, que ce soit au niveau de l'écran. Donc c'est un écran incurvé, vous le voyez. Voilà.
Donc avec un entourage plastique qui tient correctement la dalle de verre, oui. Bon, d'ailleurs à ce prix-là, je pense pas que ce soit du verre, plutôt du plastique. Mais voilà, c'est quand même une jolie finition. Eh bien écoutez, après cette présentation rapide, on va attaquer dans le vif du sujet, c'est-à-dire quels sont ses points faibles et ses points forts techniquement. Et on vous décrira un peu l'ensemble de ces specs une fois qu'on abordera les tests divers et variés de ce smartphone. Donc, on va attaquer tout de suite en l'allumant. Je pensais qu'il était allumé, mais non. On va laisser s'allumer. Donc, rapidement, ce smartphone est équipé du MT6735 à, que je dise pas de bêtises, 1 GHz. Donc, c'est dans sa configuration de type P. Un GPU classique par rapport au processeur. Dorénavant, vous avez l'habitude, le Mali-T 720. Il est équipé tout de même de 2 Go de RAM et de 16 Go de ROM. Une fois de plus, 110 €, vous avez quand même quelque chose qui tient la route. Il est sous Android 5.1. Donc, par contre, sur les 10 jours environ de test, on n'a pas eu de mise à jour. Alors, est-ce que Blackview en a prévu? Est-ce que ils tiennent à jour leur smartphone? J'ai pas assez de recul sur Blackview pour vous le dire. Mais en tout cas, sur celui-ci, on n'a eu aucune mise à jour OTA. Donc, équipé d'une batterie de 3000 mAh, il est équipé donc d'une dalle 5,5 pouces avec une résolution HD, donc en 720p. Donc, on l'a dit déjà, mais la caméra, donc 13 à l'arrière, 5 à l'avant, du classique. Alors voilà, il est configuré donc avec le lecteur d'empreintes pour la sécurité. Donc je mets mon pouce. Voilà, try again. Moi je le trouve perfectible. Voilà, donc s'il veut bien, voilà. Mais vous voyez, il est lent et surtout perfectible dans la reconnaissance. Alors, soit j'ai peut-être les doigts un peu esquintés en plus, donc peut-être que l'autre jour où j'ai enregistré mon empreinte et maintenant, j'ai les doigts très secs, donc peut-être qu'il y a des empreintes, mais bon, normalement, je mets bien le pouce au milieu, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Petite chose intéressante, en fait, sur ce smartphone, c'est son interface qui est personnalisée. Bon, intéressante, oui et non, mais son interface est personnalisée avec des icônes que vous pouvez, en fait, vous avez différents thèmes. Différents thèmes qui se trouvent, que je ne dise pas de bêtises, ça fait quelques jours que j'y touche plus. Non. Où c'était des thèmes directement, je ne sais plus, tiens. Ça m'est sorti. Si, voilà, c'est ça. Thème, ici. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on va revenir. Donc, les thèmes. Alors. Voilà. Donc, thème un peu spatial, blablabla. Ou alors le thème classique, fourni par défaut, qui est celui-ci. Voilà, ou alors, donc, c'est le thème que ça, qui est que, pardon, 1, 2, 3, que nous avons téléchargé, et vous avez le thème Store, un peu à la façon de ce que fait, en fait, Elephone, ou Elephone, avec son P8000 et antérieur et supérieur. Bref, vous pouvez télécharger différents thèmes. Par exemple, tiens, on va télécharger celui-ci, on va le faire en live pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Voilà, download completed, apply. Voilà, donc, vous voyez, il a modifié donc l'image de fond ainsi que les icônes.
Bon, pourquoi pas, c'est amusant, et voilà, ça coûte pas grand-chose, et ça fonctionne quand même pas mal avec ce smartphone. Donc, on va commencer par nos tests, et puis on va commencer tout de suite par Antutu. Antutu. Que va dire Antutu? C'est du 6735, hein, donc à 1 GHz. Donc, vous devriez avoir un peu l'habitude maintenant des résultats. Je le lance, voilà, parce que. On nous le demande, donc il est quand même au-dessus des 19 000, ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'il est quand même assez optimisé au niveau de sa RAM et de son fonctionnement. Donc c'est un score dans le haut du panier des 67-35. Voilà. Donc au niveau info, donc on a bien un Blackview AIFP1 Pro sous 5.1 pour Android en MT6735, Amalic S720 HD. Caméra arrière de 13,3 mégapixels. Nous avons ici 2 Go de RAM. Nous avons 16 Go de ROM moins le système. Il nous reste ici donc environ 12 Go, ce qui est annoncé effectivement par Blackview. Nous avons 6 Go 6 environ de disponibles parce que nous avons installé un tas de bêtises. Un 6735, alors attendez, là on nous annonce du 1,3 Go. Je suis fortement étonné que Antutu nous sorte ça. On va vérifier parce que c'est du 6735P. Et ben, écoutez, on va vérifier ça de suite. Je suis étonné parce que l'autre jour il ne me semble pas avoir lu qu'on tournait à 1,3 Go. Donc, bouton Home, hein, vous cliquez dessus et on revient comme sur les appareils Samsung, bref, ou sur le phone, pardon, Ulefone Bitouch 2, donc ou Bitouch, bref, le bouton Home, vous cliquez dessus. Donc on va regarder ça de suite avec notre outil. Il est où? Il est où? Il est où? Il doit être après, donc le phone tester. Et on va regarder au niveau système. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Alors, eh bien, écoutez. Alors, sur les specs, que je dise pas de bêtises quand même. Parce que sur les specs affichés sur le net, je suis persuadé d'avoir vu les specs en P à 1 GHz. Et donc, lui nous dit aussi qu'on est 1,3 Go. Donc c'est plutôt d'ailleurs un bon point. C'est une erreur sur le site internet, me semble-t-il. Parce que j'ai sorti la fiche technique, elle est là sur ma gauche de l'autre côté. Et j'ai bien un 4 cœurs à 1 GHz et non pas un 4 cœurs à 1,3 Go. Donc eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal en fait. Moi, je me suis borné à lire en fait les specs sur Internet. J'aurais dû peut-être regarder aussi sur nos outils ici. Donc, on est à 320 dpi, hein, donc du 720p sur une dalle 5.5. Bon, rien d'extraordinaire, c'est normal. Donc, au niveau, on va continuer avec notre phone tester du coup. Donc, l'accéléromètre, hein, il n'y a pas de souci, il fonctionne. Proximité, Farnir, 320 lux, 640 et 1280 comme vous pouvez le voir. Donc il n'y a pas de souci, il fonctionne parfaitement au niveau des sensors. GPS, vous verrez par la suite le test GPS en extérieur. La batterie. Alors, la batterie, vous voyez, on nous annonce du 3000 et là, lui, mesure 2000. Ça fait partie des petits défauts, peut-être encore de Blackview, sur les non-concordances entre ce que l'on annonce sur notre site, entre ce que les outils de test annoncent. Il y a un problème de corrélation à faire, en fait, sur ces outils et ce qu'annonce Blackview, clairement. Donc au niveau du multitouch, c'est là où en fait aussi on a été étonné. Donc bon, un point, deux points, trois points, pas de souci. Et là, quatre, et ben écoutez, voilà. On reste bloqué à trois. Bon.
Donc c'est un 3 points, ce qui, effectivement, comme je l'ai déjà indiqué dans une autre vidéo, suffit amplement. Parce que très honnêtement, le jour où vous utiliserez vos 5 doigts sur l'écran, je suis pas sûr que ce soit demain. Alors au niveau des caméras, donc 13 à l'arrière, c'est parfait, c'est ce qu'annonce donc Black View. Caméra frontale à 5 mégapixels, on peut faire des vidéos en 720 et des vidéos à l'arrière, et c'est là où c'est bizarre aussi. Voilà le résultat. Et je sais pas si vous l'entendez, mais ça tonne dehors. Bref, gros orage en préparation. Donc voilà pour le phone testeur et les différentes indications. Donc petit souci sur la batterie entre ce qu'annonce Black View et ce que teste le phone testeur sur cette batterie qui lui annonce à 2000 mAh. Et quoi de mieux que Geekbench 3 pour vérifier la qualité de cette batterie et vérifier si on est plutôt vers du 3000 ou du 2000 en termes de durée de vie sur une journée de travail. Donc Geekbench 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Et on ne l'a pas lancé non plus sur celui-ci. Donc bref. Eh bien écoutez, le temps de faire le test de la batterie complet sur ce modèle et on revient de suite. Nous revoilà avec le Black View Live P1 Pro, sur lequel nous devions faire tourner le Geekbench puisque nous avions omis de le faire tourner et ça prend quand même quasiment pour certains toute une nuit. Mais vous allez voir, il y a une petite surprise en fait sur ce Black View. La surprise, c'est voilà un update donc pour prouver que Black View quand même travaille sur ces modèles, contrairement à certaines mauvaises langues peuvent ce que certaines mauvaises langues peuvent dire. Donc c'est une mise à jour, vous voyez ici de 33 mégas et non de 800 mégas. Elle optimise quelques fonctions du système et fixe quelques bugs. Et en l'occurrence au niveau système, c'est principalement une correction lors d'utilisation de la caméra qui rencontrait certains soucis sur certains modèles, certains smartphones Life P1 Pro. Moi personnellement, ou alors j'ai pas fait attention, mais j'ai pas vu de soucis, gros soucis autour de la caméra. Bref, donc en live, on va télécharger la mise à jour et on va l'appliquer. Et puis on vous dit à tout de suite, on laisse tourner le téléchargement et puis on appliquera la mise à jour. Voilà, la mise à jour c'est faite. Oui, terminé. Donc le Life P1 Pro s'est mis à jour. Donc mise à jour quand même assez lente. Je ne sais pas pour 33 mégas pourquoi c'était aussi long, mais bon. Bref, donc on en était resté sur, si vous vous souvenez bien, juste avant la mise à jour, où on en était sur le Geekbench. Donc on va regarder tout de suite les résultats de Geekbench V3 quant au résultat de la batterie sur ce Black View Life P1 Pro. Voilà, donc la batterie a tenu 7h10. C'est pas extraordinaire. Il vous faudra bien entendu
comme un peu d'habitude, vous avez maintenant le recharger au cours de la journée. Bref, il est quand même annoncé pour une batterie de 3000 mAh. Du coup, j'ai quelques doutes sur la taille réelle de la batterie. On va vérifier donc les fréquences sur ce smartphone. La SIM 1, c'est la SIM 1, donc celle qui contient l'ensemble des fréquences utiles dans nos contrées, on va dire. Donc avec la 3G en bande 900. Ouais, je zoome un peu quand même. La 4G LTE, donc 1.3.7, plus la 8, comme d'ailleurs, si vous avez regardé la précédente vidéo chez Ligou, ils font la même chose. Et donc 1.3.7, 20 plus 8, voilà. Ensuite, nous allons aborder maintenant, c'est quand même le screen test. Et très honnêtement, voilà, 120 €. Et le smartphone, donc voilà, un écran. Voilà, il n'y a rien à dire sur cet écran. Très honnêtement, le noir était juste parfait. L'écran est très lumineux en live, hein, en direct. C'est un très bel écran, moi, je trouve. Voilà, le jaune, voilà, je l'ai dit d'ailleurs, le vert, contrairement à d'autres écrans, je le trouve pas vert. C'est un avis. Le bleu, il est bleu, mais le vert, il est pas. Je le trouve pas vert. Bon, voilà. Je suis pas daltonien. Et autant sur d'autres smartphones, le vert était vraiment pétant et très très beau. Donc voilà, ça va donner quelque chose de bizarre à la caméra, ça. Tous ces petits. Voilà. On va dézoomer comme ça, au moins. Ça bouge moins. Vous voyez que le noir, quand même, il est profond. Il y a, sur les dalles LCD d'aujourd'hui, clairement, AMOLED ou pas AMOLED, les noirs sont très profonds. Donc, les niveaux de gris. Il y a un petit... moi, c'est ce que j'ai jugé. Après, bon, voilà. Il y a une espèce de petit... en fait, entre les deux, là, entre le blanc et le noir, les gris intermédiaires, des fois... sont un peu étonnants, y compris en vrai, hein. Je ne sais pas si on voit un peu en fait à la caméra, mais il arrive en fait que ici ça devienne c'est un gris bizarre en fait, quoi. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je trouve que des fois il est bizarre le gris. Voilà, il tire un peu vers le jaune. Voilà, vous voyez que. Et c'est la même chose quasiment en fait à l'œil nu, hein. En dehors de la caméra, vous voyez que le vert et le jaune, ils se confondent quasiment, il y a très peu d'écart, et c'est quasiment vrai à l'œil nu ici, en dehors de la caméra. Le vert et le jaune sont un peu particuliers, on va dire, sur cet écran. C'est un peu, je trouve, son défaut de ce côté-là. Autant il est lumineux, mais que voilà, le vert pour moi, il n'est pas vert, donc ça me plaît pas trop. Donc voilà pour les tests. Donc voilà, vous avez vu la batterie, 7 heures environ. On va attaquer les tests caméra et puis regarder l'écran avec des vidéos en 4K. Et là, sur le test des caméras, enfin de la caméra principale, parce que personnellement je n'utilise jamais la caméra avant, je suis pas un adepte des selfies. Maintenant c'est des petites caméras, hein, c'est pas fait non plus pour faire de la photo, contrairement en fait, on va dire, aux caméras arrière quand même qui sont de meilleure résolution aujourd'hui. Donc mise au point aussi rapide, on va éteindre la lumière et puis on va tester avec le flash. Donc voilà les tests avec le flash, ici il est en automatique. Alors le capteur qui est intégré sur ce smartphone capte très 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 bien la lumière. Parce que là honnêtement, moi je suis dans la pénombre forte, les fenêtres sont ici, vous voyez en fait la lumière, et là ici la lumière,
Les fenêtres sont assez loin, elles ne sont pas toutes proches et il fait gris dehors tout de même, donc il fait pas très très, c'est pas très lumineux. Et bien malgré tout, il capte très honnêtement, très facilement la lumière. Je suis pas sûr qu'il l'ait prise. Non, il l'a pas prise. Voilà. Et puis une autre petite boule aussi. Ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va revenir sur notre angle de présentation. Le flash, vous voyez, il est violent, hein. La boule est blanche. On voit même plus les détails. Flash un petit peu trop violent. Il y a un problème de. Voilà, pareil. Vous voyez que notre phénix voilà, n'a plus de couleur. Flash excessivement violent. Donc les photos en pénombre nuit sur les objets rapprochés, c'est moyen moyen. Voilà, sans flash en lumière naturelle, par contre, c'est parfait. Vous voyez les détails? Bon, par contre, si on zoome, il y a beaucoup de bruit rapidement. Regardez, là, c'est pas terrible, terrible, hein. C'est bon jusqu'à un certain niveau, faut pas grandir, faut pas trop zoomer dessus. Mais bon, voilà, c'est un appareil à un smartphone à 120 euros. Donc un appareil vraiment très abordable. On ne peut pas non plus lui demander des miracles. Mais voilà, moi je trouve que les couleurs sont quand même pas mal rendues. Après, voilà, il faut pas zoomer. Il y a rapidement du bruit. Avec un flou, voilà, il y a quand même pas mal de bruit sur ces photos dès qu'on zoome. Contrairement à d'autres caméras sur certains smartphones, bon, il faut rester sans zoomer, mais bon, voilà, c'est quand même pas trop mal pour un smartphone à ce prix. Donc tout de suite, vous avez vu les vidéos en intérieur-extérieur, tout de suite le test du GPS en extérieur, en live et grandeur nature. A tout de suite. Il nous reste à vérifier des petits points parce qu'on avait certains doutes en fait sur par exemple ces mesures en l'occurrence parce que bon, comme il y a la batterie qui nous a semblé un peu bizarre par rapport à ce qui est annoncé par Blackview, donc on a voulu vérifier en fait ces mesures, sa dimension, pardon, ses dimensions si vous voulez, même si mesure bien sûr c'est français. Il nous annonce du 15,5, ouais, c'est ça. Du 7,4, on est plutôt à 7,8 et pile poil, hein, 7,8. Et puis à 0,8 d'épaisseur. Et nous sommes à ouais, 0,8 d'épaisseur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il nous reste à faire la pesée de la bête de chez Blackview, donc le Alive P1 Pro, et vérifier son poids par rapport à ce qui est annoncé par Blackview. Et Blackview annonce 170 grammes sur leur Alive P1 Pro, et on est à 165. Donc vous voyez, bon, pas de mensonge. Donc soit la batterie effectivement est bonne, enfin en tout cas la capacité de la batterie est juste par rapport à ce qu'ils annoncent, ou alors il y a
Ouais, je ne sais pas, moi 7h10 de fonctionnement sur cette batterie, moi ça me semble juste pour du 3000 mAh. Donc en tout cas, bah, écoutez, voilà, on a fait les tests. Là, si, il nous reste une seule chose, j'allais l'oublier alors qu'il est à côté de moi, c'est notre câble OTG et vérifier si ce smartphone est OTG, que vous puissiez connecter votre clé USB. Donc oui, il est OTG. Vous voyez, voilà, c'est fait, elle clignote, préparation, ok. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein. Il est bien OTG. Donc et ben voilà, on a fait le tour de ce Blackview Alive P1 Pro. Un smartphone, franchement, bah, comme l'annonce Blackview, faire des smartphones pour en gros tout le monde, donc pour toutes les bourses. Et là, on se trouve quasiment face à. Bon, en tout cas, ça serait un flagship pour Blackview. Pour d'autres, c'est un milieu de gamme. Hein, bon, voilà. Mais on a quand même une double LED flash. Donc, une caméra de 13 mégapixels, 5 à l'avant. Un MT6735 avec donc 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Un écran 5.5 en HD. La seule chose qui manque, c'est des rétroéclairages de boutons, c'est des petits détails, hein, et puis effectivement une LED de notification. Et ça, clairement, je trouve que la LED de notification, c'est vraiment un truc qui, une fois qu'on y a goûté, ça nous plaît de savoir si on a reçu des messages ou ce genre de choses sans avoir à déverrouiller l'écran. Point négatif que je mets sur ce smartphone, c'est son capteur d'empreinte, que je trouve très négatif et très capricieux. En dehors de ça, bon, il a un look, voilà, il a un look façon Elephone Bitouch, bref, un look qui ressemble à beaucoup d'autres, mais voilà, il est pas mal. Et puis voilà quoi. Donc c'est quand même un bon smartphone. Donc voilà. Bah, écoutez, si la vidéo vous a plu, que vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à nous mettre un pouce vert, à nous laisser un commentaire. Sur le dessous, un commentaire constructif, bien entendu. On aime quand c'est constructif, puisque au moins ça nous permet de réagir face à vos demandes. Quels sont les points négatifs que vous trouvez dans la vidéo, les points positifs. Donc voilà, bah écoutez, on vous dit à plus, à la prochaine vidéo. Et puis bah surtout, comme on aime le dire en ce moment, portez-vous bien. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Et à la prochaine. Salut!